Bonjour, le club des fous rires présente Thierry Roland. Oui. Sim. Jacques Martin. Olivier de Kersauzon. Et Philippe Bouvard. Votre rire, ça, votre, vous savez, votre rire. J'ai beaucoup rire. Oh, mais mon rire, ouais. Il ferait enfermer n'importe qui ici. Mais ouais. On commencerait peut-être par vous, cher Thierry. Cela dit, l'amiral a un rire intérieur que vous n'avez pas perçu parce qu'il le garde pour lui. C'est-à-dire par que pudeur. L'amiral a un rire intérieur et moi j'ai un rire à la con. J'osais pas le dire, mais... Ah oui, non, mais vous pouvez. Vous savez que je reçois souvent du courrier. Oui, pour dire que j'ai un rire à la con. En disant, il faudrait pas que Monsieur Thierry, parce qu'on vous appelle Monsieur Thierry, aille à la radio, mais plutôt chez le docteur. Oui. Moi, j'adore ton rire. Et je vais te dire, tu peux venir quand tu veux au Théâtre de l'Empire, tu me montres à l'ambiance, qui est déjà merveilleuse, il faut le dire. Écoutez, c'est quand même la meilleure émission de toute la télévision. J'ai sous les yeux... Public. L'extrait d'un magazine, c'est fabuleux parce qu'on m'a couple avec Sharon Stone. Ah bah, je vois la tronche de l'enfant qu'on aurait pu avoir ensemble. Excusez-moi, je vais me suicider. Ah bah non, mais attends, pas avant de l'avoir vu. Pas l'enfant, mais Sharon Stone. Oui, mais attends. Oui, non, mais attends. Merveilleux, c'est malheureux que ça soit à la radio. C'est-à-dire que ton fils, il est pas terrible, mais Sharon Stone et toi, ça fait un beau couple, hein. Oui. Bah, vous avez vu le fiancé français de Sharon Stone, c'est... Oui, ouais, il a vraiment... Hein, oui, enfin, hein. C'est fini, hein. J'ai des chances, alors. Ah si, c'est totalement fini. C'est pas vrai. Même déjà, il y a quelques semaines, c'était déjà fini. Mais non, j'ai vu des photos. Ah ben c'est pas... Bah attends, il y a bien marqué Saint-Zanneau sur journal de l'année, mon coco. Non. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il y a bien marqué Saint-Zanneau sur les pissotières. Bah oui. Oui. Première citation de M. Cattier d'un fille qui vous a dit... Vous permettez qu'avant que l'émission commence, Philippe, je dise à quel point le sourire me vient quand je vous vois, parce que je vous trouve de plus en plus beau. Voilà. Ouais. Et il me revient une vieille bouffée sexuelle, la même que j'éprouvais pour vous lorsque nous étions ensemble au séminaire à Notre-Dame-des-Fleurs. Une vieille bouffée, t'aurais dû dire autre chose. Nous étions au séminaire. Oui. Oui. Il te revient un vieux hoquet de désir aussi quand tu le regardes. Je vois bien dans tes yeux qu'il t'a plu. Alors, qui a dit il faut donner pour les myopathes? Ne fume pas. Ne fume pas. Oh, hello. Il fume, je vais mourir. Et Olivier de Kersauzon aussi. Oui, qu'est-ce que vous disiez? Qui a dit... Oh, non, mais alors, écoutez. Écoutez, les copains, laissez-le parler. Qui a dit... Attends, taisez-vous, c'est moi qui connais. Tu veux dire quelque chose? Comment tu t'appelles? Bonjour. Il y a écrit Philippe sur ta blouse. Quoi? Tu veux me faire pipi dessus? Si tu me fais pipi dessus, je te pète au nez. Laissez-le parler. La question est au petit Philippe. Il y en a un qui est parvenu des chiottes, la pote est ouverte. La pote est ouverte. C'est la première fois que je vois la pote ouverte. Alors, regardez. Oh. Mais allez-y, posez-la votre question. Mais oui, posez-la. Je la poserai si j'en ai envie. Vous donnez des ordres et l'autre qui me rend impossible mon métier. Mais non. Oh, oui. Mais vous le faites très bien ce métier. Voilà. Remets ton soutien-gorge et on y va. Vous voulez que je les frappe? Vous voulez que je les frappe? Eh bien, je les frapperai pas. Qui a dit? Oui, qui? Mais attends, on commence pas une émission en disant oui. Qui a dit? On dit bonjour. Mais ça... c'est fait depuis longtemps. Non. C'est fait depuis trop longtemps, les gens ont oublié. Ouais. J'ai même donné lecture de la liste des pensionnaires de l'asile de fous. Non. Olivier, donne ton sentiment. Est-ce qu'on commence une émission comme ça? Est-ce qu'un fait professionnel, ça? Je suis très mal à l'aise. Moi, je vous ai toujours admiré pour vos qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Oui. Mais vous voir démarrer comme ça, qui a dit? Qui a dit pas, qui a dit, alors? Enfin, ça va pas, non? On dit un petit bonjour, on fait bonjour les petits. Voilà, ouais. Un truc qui, toi? On garde les mains sur la table aussi. Voilà, les mains sur la table. On remue ses petites minous, on fait bonjour les cochonnes. Voilà. Ben oui. Ah, ils vous auront jusqu'au trognon. Hein. Écoutez, est-ce que c'est compatible avec votre métier de journaliste de Paris Match? D'éditorialiste de François, ah ouais. Bonjour les cochons. Non. Mettez-vous debout sur le bureau qu'on vous voit en entier, mon petit Thierry.
Bon, c'est fini, là. Allons-y. Alors, qui a dit... Vas-y, Marinette. Qui a dit... Qui a dit... Non, bah non, il faut... On dit pas qui a dit. On dit pas qui a dit. Mais si, puisque... Non. On dit qui c'est qui a dit que... Qui donc c'est qui a dit que... Qui c'est qui c'est qui a dit que... Voilà. Ben tu vois, quand tu veux, tu parles auvergnat comme tout le monde. Il faut donner pour les myopathes, c'est toujours ça que les restaurants du cœur n'auront pas. Oh la vache. Des proches. Des proches. Ah. Bonne réponse de Thierry Roche. Un génie. C'est mon élève, vous savez. Ah oui. Mon petit garçon, c'est vrai. Moi qui l'ai sorti du journal L'Aurore. Mais après, il vous a quitté, comme tous les enfants. Bah oui, mais les enfants vous quittent toujours. Eh oui. Sauf ceux qui reviennent pour vous demander du pognon. On les voit. Bonjour papa. Ah, ça me fait plaisir. Dis donc, et la phrase d'après, c'est « Est-ce que tu pourrais pas me prêter ?» Non. Ben, si. Allez, vas-y. Qui c'est que ce qui a dit que... Non, deuxième citation. Qui c'est identique a dit. De monsieur Folenfant. Oui. Non, qui c'est identique a dit que... Qui c'est donc si qui t'a... Bon, ben, non, qui c'est identique. Mais non, je vais... Ça, c'est Zazie dans le métro, oui. Là. Oui, voilà. Lâche les mains sur la table, ça sera plus facile à prononcer. Il paraît que Yannick Noah s'est plaint à SOS Terre battue. C'est drôle, ça. Coluche, des proches, non. Non, dans quelqu'un qui est toujours vivant, que nous connaissons bien, qui s'est longtemps mêlé à nos jeux. Yann ? Non. Et il est parti pourquoi ? Il était moins drôle. Oh, il revient périodiquement. Federida ? Non. Always ? Always, c'est une très bonne marque. Ah oui. Pierre Perret. Il y avait une publicité. Oh, te voilà, ravissant. Un humoriste cette français. Cette jupe qui raccourcit de mois en mois. Humoriste et fantaisiste français. Il est parvenu il y a longtemps. Il est venu avant les vacances. Pierre Doris. Non. Non, mais Pierre Doris, c'est pas un familier de l'émission. Il est venu, non. Mais... Il y a longtemps. Tandis que celui-là nous a accompagnés aussi bien à la radio qu'à la télévision. Jacques Balutin. Non. Et l'amiral lui doit beaucoup. C'est vous, Philippe. Je vous dois tout. Perrin ? Francis non. Perrin ? Excuse. C'est à Jacques Martin. C'est là. Pas Jacques Martin. C'est à Jacques que je dois tout. Ah, merci. Bah, tu me dois 100 balles, moi, par contre. Hein. Il y a longtemps. Hein. Non ? Non, attends. Les 100 balles, c'était normal que tu me les donnes. Ah, oui. Tu les avais pas donné. Il fait du cinéma, votre copain. C'était non. Un prêt à il long terme. Il est metteur en scène de cinéma, non ? Il écrit des livres ? Non. Il a publié un bouquin, pas mal, d'ailleurs. Un seul ? Enfin, c'est pas son nom. Patrick ? Sébastien ? C'est Patrick Sébastien. Ah oui, bonne tu lui dois beaucoup. Réponse de l'amiral. Patrick Sébastien. Tu lui dois beaucoup, parce que c'est à cause de toi qu'il a perdu ses émissions. Ah, t'as raison. Ah si, ça, je vais te dire, qu'est-ce que t'as pu me choquer? Quel enfoiré. N'empêche que Sébastien est dans la misère, va falloir maintenant que tu lui files du pognon tous les mois. J'ai commencé, mais pas beaucoup. Ah oui. Il n'est pas à misère, Patrick. Mais non, il est riche. Pas aussi riche que Bouvard, bien sûr. Non, c'est impossible d'être aussi riche que Bouvard. Les mains sur la table, Philippe, s'il vous plaît. Question de Madame Veuve Péquignot de Glajon. Ah. En littérature, qu'est-ce qu'on désigne par l'uranisme ? C'est un mot évidemment un peu compliqué pour vous. Ouais. Peu, oui, on n'est pas très intelligent, hein. Oui. Sinon, on travaillait trop. Mais ça vient de Uranus. Occupez-vous davantage du suffixe que du préfixe. Pourquoi tu dis du préfixe ? Anus. Oui. Alors, c'est les gens qui adorent se faire. J'ai donné sa chance aux chansons. Ah ouais. Alors, l'uranisme est donc l'homosexualité oui, masculine. Normal. Comme nous, quoi. Voilà. Vous le dire. Bonne réponse collégiale. Mixte. Non, pas mixte, alors, justement. Non, pas mixte. Ah, entre hommes. J'ai pas répondu, je connais pas ces choses-là. Oh Dieu, arrête. Qu'est-ce que tu faisais dans le bordel à Limoges avec les compagnons de la chanson Quand la fille avait arrivé les 10 mecs, elle a dit « Envoyez-moi le stick ». Et ça, c'est vrai, je l'ai vu.
Au bordel de Limoges. Au bordel de Limoges. Oh. Pardon. Je présente mes respects à ces demoiselles. Je vais trop rarement à Limoges. Ouais. Tu crois que c'est encore ouvert? Ah bah écoute, je n'en sais rien. Il y a c'est un endroit encore. Charmant quand l'étape du Tour de France arrivait là le soir. Il fallait 2 heures. Il fallait faire la queue pendant 2 heures pour se chemin de la vôtre. Je m'étais dévoué. Si je me souviens bien, à Limoges, il y en avait deux sur la même place. Oui, deux sur la même place. Il connaît, voyou. Je m'étais dévoué pour organiser votre soirée dans le grand grenier tendu de velours. Oui. Mais pas que le velours qui était tendu. Hein. Oui. Oh, si on peut plus. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à Limoges? En dehors de ça, joue au basket. Et je me souviens parce qu'il n'y avait pas assez de dames pour nous tous, parce que nous étions nombreux. Oui. Et le patron de la maison m'avait dit, on a des extras qui travaillent à prise unique. C'était les meilleures affaires. Ah ouais? Ah oui, moi j'en avais une qui était au rayon de la parfumerie. Oh, elle cocotait l'eau de Cologne. Et lequel avait récolté le rayon poisson? Attends. Je voulais te dire qu'on a rigolé dans ces maisons. Question de Monsieur Blavier. Que peut-on faire sur une surface mesurant 1m25 sur 2m70? L'amour? L'amour debout. L'amour debout? Non. Du saut? Un saut? Non. C'est un sport? Oui. Ping-pong? Oui. Bonne réponse de Thierry Roland. Ça, tu as Thierry Roland. Ben oui, ben oui. 1m25? Ça pas fait. Ça, ça fait pas 1m25, Une table de ping-pong? De large? Et de long, ça fait combien? 1m25, de, bah de long, il est au théâtre. 1m25 sur 2m70. Ça fait plus qu'un mètre 25. On appelle ça des épongistes. Pas des épongistes. Ah oui, des pongistes. Ça fait au moins deux. Oui, quand tu joues à d'autres, tu joues chacun ton tour. Ça fait 2m25. C'est un sport qui me fatigue. 25, pardon, parce qu'il faut tourner la tête 25. Très vite. Au ping-pong? Oh, c'est énervant, ça. C'est vachement long. Regarde le rapport. Ça fera un rapport 3 fois plus de longueur que de largeur. Elle est fausse, votre cote. Non, on ne baille pas. On arrête de se gratter. On relit son carton parce que 1m25 par 2,70, c'est pas un... Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? On a fait des progrès en radio. Tiens, mes enfants, on va avoir un œuf. Vas-y. Allez, pousse. Tu vas t'enflammer. Allez, pousse. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oh. Question de Madame Le Prieur. Dagon Coutainville. Qu'est-ce que de retour de Cuba, Robert... Qu'est-ce que de retour de Cuba? C'est pas français. C'est pas français, on refuse. Attendez, c'est en apposition au sujet. Non, 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 non. C'est qui pas viendra français. Pour peu que vous le laissiez venir. On vous laisse venir. Oh, oui. Pousse. Qu'est-ce que de retour de Cuba, ou à son retour de Cuba, voilà, Robert Desnos introduisit en France la rumba. La rumba. Éternel. Bonne réponse de Jacques Martin. Laisse-moi trouver les paroles. Allez, allez, fais-moi, oui, tu parles. Vas-y. C'est tout ce qu'il y a à faire pour la rumba. Juppé, quand regarde ma sorcelle. Et je monte au ciel quand tu passes à la télé, les cœurs. Juppé, tes cheveux me fascinent. On dirait le cul d'une bassine. Juppé, c'est beau la rumba, c'est bien. Fais-moi encore une autre rumba. Encore une autre rumba. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras. C'est pas t'attends, c'est pas ça, non? Encore une autre rumba. Et en plus, c'est très agréable à danser. Ah hein. Oui. Oh oui, je sens bien. Tu me le mets ton petit doigt qui... Non. Ah oui, je sens bien. Je sens bien ton petit doigt qui te chatouille. Qu'est-ce qui rime avec ouille déjà? Attends, je sens bien celui qui est chatouille. Bouille. Non, c'est pas mouille. Mouille. Non, c'est pas bouille. Mouille. C'est entre les deux. Souille. Non, c'est pas souille. Non. Rouille. Non, c'est pas rouille. Genou. Genou. Nouille. Non, pas nouille. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Que désigne l'expression latine alma mater, c'est-à-dire la mère La blanche mère. Même quand vous parlez, il y a du rythme. La blanche.
Mais non, alma mater. La mère, notre mère en commun. La mère qui nourrit. Oui, la terre nourricière. Ouais. La France, par exemple. Alma mater ne se dit pas en parlant de la France. De la patrie. Non. La mère du Christ. De la alma mater, c'est la terre que le pays. J'aurais voulu être con pour être chanteur. Ça m'aurait plu. N'importe quoi, j'aurais chanté. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quel sujet. Comment vous appelez-vous? Roland. Roland, laisse-moi t'embrasser, te couvrir de baisers, avant de te déculoter. Roland, ne te sens pas gêné. Donnez-moi au hasard. Philippe Bouvard, toi que j'ai vu un soir, tout au fond d'un plumard. Oui, non, hein. N'importe quoi. N'importe quoi. L'ISF est un impôt très chiant qui botte beaucoup d'argent. Peux y aller. J'avais pensé, la rumba c'est facile. Oui. Dans le fond, si Juppé. Si Juppé chantait la rumba, ça irait mieux. Oui. Tu vois, il arriverait des. Je vais doubler, oui, doubler des impôts. Vous l'aurez dans le dos. Ça marcherait mieux, hein? Question de M. Rapin. Quelle différence les Français. Rapin, tu es un gros coquin. Non, je peux pas donner la question de M. Rapin. On n'a pas répondu à l'autre, là. C'était quoi, déjà? Bah, Alma. Tu vas bientôt rentrer à l'asile. Tu oublies les questions. Il est emporté par le rythme. Mais vous êtes emporté par le rythme. Ah, bah oui, c'est. Alors, alma mater, c'est. Ça désigne. Notre mère, la mère en commun. C'est-à-dire quelqu'un qui nous nourrit, mais d'une certaine façon. Oui. La science. Mais non. Entre autres par la science, mais aussi par la littérature, la philosophie. Oui. Le savoir. L'école. Oui. L'université. L'université. Ah, voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. L'université. J'aurais pu y aller, mais j'aurais pas pu la payer. On pourrait tout résoudre par la rumba. C'est vrai, hein. Ouais. Et ça se danse presque mais plus. Non. Hein. C'est agréable parce qu'on frotte. Le chômage, on pourrait y pallier. J'en ai eu des érections pendant les rumbas, moi. Oh là. Non, bah oui, parce que c'était une danse qui faisait remuer le bas-ventre. Ça ne m'arrive plus maintenant. Hein. Eh oui. Ah bon? On ne danse plus maintenant. On se regarde danser. Je les ai tout seuls au moment les plus inattendus. Ça m'ennuie terriblement. En bagnole et tout ça. Oh, n'importe quand. Tu as des érections en voiture. Non, tu fais non. Attention parce que si c'est tu Thierry te mets à la portière, on va croire que tu tournes à gauche. Non, c'est Thierry qui vient de dire ça. Tu te rends compte, il est en train de conduire, paf. Mais non, ça se prendrait dans le volant, je pourrais pas tourner. Bah oui. Qu'est-ce que c'est qu'une érection? C'est... Raconte-moi. Bah écoute. Dessine-moi une érection. Et appelle à tes souvenirs. Bien, allez. Question de M. Rapin. Quelle différence les Français du 19e siècle faisaient entre le vice allemand et le vice anglais? Le vice anglais, c'était de l'autre côté. Le vice anglais, c'est avec des fouets. Oui, ouais. C'est la flagellation. La flagellation. Et le vice allemand, c'est avec, avec deux saucisses et une choucroute. Un jour devant, je tâche. Oui, j'aimerais que vous nous l'expliquiez de façon un peu plus... Le vice allemand, c'est la levrette. Mesurée. C'est la levrette, monsieur. Non. La mourantrome. La mourantrome. C'est le vice allemand. Oui. Yeah. Et la chance. La flagellation, c'est le vice anglais. Bonne réponse de Jacques Martin et de l'amiral. Bon, je connais. Et Arnaud Boche, c'est la coupe des vices. Question de Madame Petit de Bayeux. Qu'est-ce qui peut se pratiquer dans les mairies françaises et que peu de gens connaissent? Le hockey sur glace. On peut baptiser dans une mairie. Oui, exactement. Exactement. C'est ce qu'on appelle un baptême laïque. C'est un baptême civil et républicain. Civil et républicain, oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Ça bravo. Sert à quoi, ça?
Ben, c'est comme ça. J'ai assisté au mois de juillet à un baptême républicain. Mais ça sert à quoi? Il y a... Eh ben, pour que l'enfant ait deux parrains. Enfin, un parrain, une marraine. Ah, c'est uniquement, oui, oui. Voilà, c'est... voilà. Uniquement voilà. Familial, quoi. C'est voilà, pas divin. Fait... Non, non, ça a une importance. Il y a de l'eau, on leur fout le dos. Rien du tout. Rien. Oh, ben, c'est déjà un avantage. Dis pas ça. Oh, moi, moi, je suis tombé dans le bénitier, tu vois la tronche que j'ai. Bah oui, non, c'est... Il n'y a pas de quinquinquinquin. Il y avait la maladie des vaches folles. Eh oui. Enfin, ça me fait beaucoup de peine, tout ça, pour vous le dire, monsieur. Mais non, si. Pas du tout. Mais alors, dès lors que vous... Quand je vais te poser une question. Ça te fait peine vraiment. Que depuis que tu t'en es rendu compte, allez. Mais avant... Poser une question de mathématiques, tu vas répondre 2 et 2. Match 2 plus 2. 2 plus 2. Oui. Ça fait combien? Match nul. Oui, match nul. Oui, match nul, oui. Deux de chaque côté. Je voudrais vous dire, alors là, je le reconnais... Attends, les mains sur la table quand tu lui d'abord, parles. D'abord, je voudrais vous dire... T'arrives à tripoter, attends, fais gaffe, Thierry. Que quand vous êtes arrivé il y a 4 ans déjà... Ouais. Oh, pas tout à fait. Si, si. Ah, pas si, loin. Si, parce que quand ça va passer, il y aura 4 ans. C'est, 3 ans c'est des calculs. De même qu'il est pas tout à fait 18 heures, quand ça va passer. Vous, hein, vous ne répondiez pas à une seule question. Oui. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus le même. Ouais. Non. C'est vrai. Et en plus, je vais te dire, un rire comme ça, ça vaut... Et puis tu es drôle, tu es sympathique. Je vous remercie beaucoup. Tu es bien. Je peux avoir des places pour... Non, mais vous essayez de vous reprendre, mais quand même... Et je suis sûr que vous avez beaucoup appris de nous. Ah oui, ça c'est énormément. Oui, ça c'est vrai. Des choses qui vous servent qu'ici, mais quand même. Si, quand même, on lui a appris beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Le petit train de Dijon. Et surtout, Equanim et Azrael. Parce que Azrael, oui. Ça, je l'ai retenu. Question de M. Gragnon. Qui? Oh là! Oh, oui! Elle est bouvelle, qui n'est pas content, et qui a la capacité d'être là. Nous parle comme si on était tes bœufs. Quelle évolution. Arrête. Comme à l'école, il balance des trucs. Question de Monsieur Gragnon. Qui a peint le pénis souffrant gardant le lit? Dali. Non. Miro. Non. C'est un beau pénis? Il n'a pas très bonne mine. C'est un match de pénis. Surtout qu'il est enrhumé. Il est mort, le mec? Oui, mais autre chose. Oui, c'est un grand tableau. C'est un grand tableau. C'est un tableau en longueur. Ah oui, mais... Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il y a des jours où il est tout petit, le tableau, puis il y a des jours où il est tout long? Est-ce qu'il est allongé sur un épée des multistires? C'était bon. C'est un tableau qui existe vraiment? Alors, c'est un tableau qui existe vraiment, et je pense qu'il s'agit d'un autoportrait. Ah, il y a un mec qui s'appelait Pénis. C'est Toulouse-Lautrec. C'est Toulouse-Lautrec. Non, bonne réponse de Sim. Ouais. C'est vrai que vous portez ces costumes, Philippe? C'est quoi le résultat? Toulouse-Lautrec. Question de Madame Fontaine. Quelle est la danse écossaise pratiquée dans les années 20? Scottish. Et exactement, la voilà. Scottish. Ouais, bonne Scottish. Réponse de Sim. À quatre temps, comme la polka. Eh oui, c'est... Non, 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 non. Oh. C'est ça, mais en plus... Ah, c'est ça. C'est pas ça. La Scottish, ça fait... La Scottish. C'est la danse écossaise. Au rythme bien français. C'est ça, la Scottish. Question de Monsieur Million. Qui tue... Le Million. Qui tue au couteau dans les mystères de Paris? Eugène Sue. Oui, mais il... Le Chourineur. Le Chourineur. Ben oui. Bonne réponse de Sim. Le Chourineur. Le Chourineur. Question de Madame Lepelet. Quelle œuvre de Monet s'étend sur 90 mètres? D'ailleurs, il y a plusieurs tableaux sur le même thème. Ah oui. Mon jardin. Ah, les églises, non? Non. Non. 90 mètres. La colonne Vendôme. La Normandie, son jardin à lui. Ça porte un joli nom. Passer la monnaie, ça s'appelle. Les hibiscus. Oui, non, les. Les nénuphars. Non, mais non. Ça commence par un N. Les nymphes.
Les nymphéas. Excellente réponse collégiale extrasportive. Oui, ça... Il dit rien, hein, ce type. Bon, attends. Pourtant, quand on le voit à la télé, avec son copain, il... Il s'intéresse pas à la peinture. Non, non, non. On sent que... Ça se voit dans son appartement. Hein. Oui. Vous avez des tableaux chez vous? Non. Sa femme? Elle en a, oui. Ah elle bon en a, oui. Mais pas vous. Non. Oh, bah ça, alors. Vraiment, mais tout l'espace ah dire ça. Françoise Boulin est une merveilleuse... Oui, oui, oui. C'est elle qui m'a fait faire... Oui, bah faire ça ma va. Connaissance avec Michel Audiard, parce qu'elle m'avait filmé dans un cabaret de la rive gauche, et puis Michel avait vu le film réalisé par ta femme. Ouais. Alors c'est grâce à elle si je suis devenu une star mondiale. C'est grâce à ton grand talent. Ta femme, c'est la lantillaise avec laquelle t'es venu à Brest. Oui. Attendez. Avec une lantillaise. Ouais, de 18 ans. Oui. Ouais. Superbe. Oui, belle. C'est ta fille. Non. Non. Enfin, la différence d'âge y est. Mais c'est bien ce que tu fais pour les jeunes. Oui. Moi, je trouve que c'est bien. Tu pourrais égoïstement dire à ta femme, je vais faire un match à Brest, puis partir comme un égoïste en première. Ouais. Et là, que tu prennes une fille de 18 ans pour lui faire découvrir la capitale du bateau, c'est la rade. Oui, la rade. Mais elle rentre avec le ballon. Oui. Question de M. Marco. Quel est... l'homme illustre qui a prononcé cette phrase prophétique, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Perfide. Ben non, ça c'est... Il l'a reprise pour le titre d'un livre. Malraux. Mao. Non. Il est pas André Mao. Il n'est pas français. Si, bien sûr. Il y a longtemps ? Il a dit ça au début du 19e siècle. Ah, vous l'aurez, quand même. C'était pas un imbécile, il est mort alors. Il a été ministre français? Non, ah, non. Oui, plutôt. Ah non, c'est un imbécile. Clémenceau? Oui. Non. Non, Clémenceau, il a fait une carrière comme... Talleyrand? Comme porte-avions, allons. Foch. Mais Foch, c'est un bateau aussi. Ah. Au début du 19e. Mais Landru! Un bienfaiteur d'humanité. Si on avait Landru... Arrêtez de dire n'importe quoi, il y a des enfants qui nous écoutent. Et alors? Et alors? Ce type, il a rendu service. La femme au foyer. Alors, voilà donc quelqu'un qui a cette phrase extraordinaire, ah surtout oui. si aujourd'hui nous la réécoutons. Quand la Chine se réveillera, le monde on arrivera tremblera. À pied de la Chine. Oui. un prophète, disons. Pas un prophète, mais quelqu'un qui avait une vision géopolitique du monde. Géopolitique, Jules Verne. Un homme politique français. Honnête. Ouais. Un homme politique. Bah oui, mais attends. Bah, les avis sont partagés sur, sinon son honnêteté, au moins le bien qu'il a fait à la France, mais quand même. Il était ministre. Ah oui, mon neveu. Ah, c'est votre neveu. Pas président. C'est Gaston Bouvard. Il n'a pas été président, mais mieux que ça. Premier ministre. Clémenceau. Été premier ministre. Non, mais attendez, Clémenceau, au début du 19e siècle, il n'aurait pas été frais en 14. Ah, ben oui, exactement. Mais il n'était pas frais en 14. Veuillez me pardonner. Il était mieux que ça. Mieux c'est que pas président. Chateaubriand qui aurait dit ça? Non. Au 19e siècle. Au début du 19e siècle. Chateaubriand a fini par se fâcher avec lui. Et pourtant, il l'avait admiré. Et pourtant. Ah, ouais. Est-ce que c'était pas un tout petit mec? Pas très grand. Pas très grand, hein? Non, c'est pas moi. Qui était maire de Neuilly, non? Ben non. Non, c'est pas... Napoléon. Ah ben, il était pas grand seulement. Voilà, Napoléon. Bonaparte, c'est-à-dire Napoléon. Premier, il a tout dit. Au début du 19e siècle, Napoléon Ier. Et alors, il a dit ça en 1802. Oui. Voilà. C'est pas au début, c'est au tout début. Allez. Quel instrument de musique introduit en 1870 en Argentine devint très rapidement bandoléon. L'instrument national. D'accord, c'est le bandoléon. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah, le tango. Un bel capisto sentire lo sentionta. Un capisto smier un verra. Und schnitt rechts, dann stumpf man dich links, näher und klav rein an oben reich lässt. Da du echen dich allein, jo me sind dich wille, wille hem dir obera. Wann kin und ein jungen, wann kin und ein jungen, wann kin und ein jungen, on demande Ginette au WC. Là, on peut pas danser longtemps, hein.
Elle est excitée tout de suite. Ah oui. Et mon Solex qui barre la sortie, vous gêne pas aujourd'hui, non? Monsieur Bouvard est demandé à la caisse pour déraménager son Solex qui bouche à la sortie de secours. Madame Poissy, à qui Donna Prouez confie-t-elle son soulier de satin? Oh, que c'est beau, ça, c'est... À Claudel. Non, pas à Donna Prouez, Donna... Oh. Qui c'est, Donna Prouez? C'est l'héroïne, l'héroïne du satin. L'héroïne du soulier de satin. Ah, je sais. Très longue pièce, donc Octo disait, heureusement qu'il n'y a pas la peur. Oh, je connais, au héros, quoi. Oh mince, mais tu vois ce que c'est. C'est pour ça qu'il faut que je me suicide. C'est Claudel qui a écrit. Oui, 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 alors. Ah oui, à Dieu. Non, mais non, pas à moi. Jésus. Non. À l'ange Gabriel. Non. À quelqu'un de la famille. Oui. La famille. À la Vierge Céleste. Marie. À la Vierge Marie. Ben, j'étais pas loin. Bonne réponse de Jacques Martin. On demande la Vierge Marie pour déménager son Solex. Non. Quelle horreur. Bah quoi, et on s'étonne après qu'il y a des mecs qui vont à la scientologie après ça. Non, attends, moi je vais te dire alors, hein, je vais fonder ma religion, ça va marcher. Ça va s'appeler le grand bout. Ou la rumba religion. La rumba religion. Jésus. La rumbatologie. Hein? La rumbatologie. Remue des fesses, tout se passera mieux. Tu finiras. Regarde, rien. Il peut plus relire. De madame Grosbou. Hey, vous vous laissez foutre de votre gueule par Jacques Martin. C'est pas vrai. C'est mon enfant préféré, Philippe. Ouais. Il a fait pipi au lit très tard. Et je l'ai protégé plus que ses frères. Quand même. Puis, comme il était bien monté... Moi, je vais vous dire, avec ce que vous représentez, vous ne devriez pas. Hein. Que Philippe avait été très embêté. M. Martin, quand il est là, je sais que je pourrais faire du courrier. Ben, très bien. Et c'est très agréable. Et dire, je parle et lui encaisse. On m'appelle la voix de son maître. Question de M. Paulet. Oui. Ah, c'est un bon chanteur comique, ça. Du 6e siècle au Moyen-Âge, qu'est-ce que les femmes conservaient dans des récipients qu'elles montraient à leur mari revenu de la guerre? Leur pucelage. Non. Leurs larmes. Leurs larmes. Bonne réponse. C'était bien avant. Les larmes qu'elles avaient versées en leur absence. Bonne réponse de Sim. J'ai chez moi de l'acclimatoire. J'ai acheté au Liban en 1956. Mais j'étais jeune. Hein. C'est très beau. Quand il y avait des morts, on pleurait dans des petits pots comme ça. Ouais. Question de Madame Motta. Quel est le premier opéra écrit pour des chanteurs noirs? Ben, c'est l'opéra de Gershwin, Porgy and Bess. Exactement. Voilà. Ouais. Bonne réponse de Jean-Pierre. Eh oui, dans l'opéra, il y a... Summertime. Oh, ça, c'est beau, ça. Super. Well, all the moors and summertime. When the ride is alive. C'est un très bel opéra. Très bel opéra. Surtout, là, à la fin. Porgy. Non, c'est en majeur à la fin. Porgy and Bess. C'est un opéra qui plaît. Déjà, la rumba était inventée. Gershwin, c'était un élève de Maurice Ravel. Question de Madame Trudeau. Sous quel nom Lady Elizabeth... Monsieur, le jeune homme blond, il a baillé pendant que vous parlez. Et il a fait avec sa main... Si, il a fait ouh, comme ça, pardon. Vous avez pas baillé? Si, vous avez fait, vous avez dit une question, il a fait. Il a ajouté le vieux. C'est dégoûtant, ça. Sous quel nom? Oui. Lady Elizabeth Bowes Lyon a-t-elle fait carrière? C'est une des grandes catas d'Angleterre, non? Non, oh là, non. Oh là, attention à ce que vous dites là, hein. Agatha Christie. C'est un auteur. Agatha Christie. Non. Mais non, c'est quelqu'un qui a habité le château. Elle l'habite toujours. Eh oui, c'est la reine d'Angleterre. La reine mère.
C'est la reine-mère. La reine-mère. Ouais. La reine-mère Elisabeth, qui était l'épouse du roi George VI. Exactement. Qui est née le même jour que moi. Elle n'est pas la même année. La reine-mère. Oui, on est jumeaux. Ah, des dents. Mais ça ne se voit pas, tu vois. Ça fait très longtemps que son qui sirote autant que vous, d'après ce qu'on dit. Et n'empêche que ça conserve. Ah, drôlement. Parce qu'elle se tape son petit... Non, mais elle se tape son petit scotch ou son petit jean. Ah bon, tant qu'elle se tape pas son petit jean. En voiture, Simone, 96 ans. Ça, tu seras pas beau à 96 ans. Qu'est-ce que tu enseignes? Ah ben ça, je te le dis. Qu'est-ce que tu enseignes? Parti comme t'es, là, tu seras pas beau à voir. T'en connais beaucoup des types comme moi, à 24 ans, qui sont... Puis la rumba en plus, ça dire, j'espère que 96 ans... Votre coiffeur de la coloniale est revenu, là. Oui. Il était en cabane, il est sorti. Mon coiffeur m'a dit, je n'augmente pas les... J'ai augmenté mes prix, mais je vous en couperai plus. Et il m'a vraiment, là, je dois dire, ratiboisé. Là, t'es tranquille pour un moment, hein. Oui, eh ben oui. Et toi, Ah ben non, mais moi, j'ai pas de problème, j'en ai plus, moi. Mais ça, quand t'es arrivé, il y a une bonne femme qui a fait, oh, Sim. Non, parce que je veux dire, t'as plus de cheveux que moi, maintenant. Il y a que Bouvard qui se fait ses anglaises le matin. Philippe a toujours eu de très, très beaux cheveux. Ah oui. Question de madame. Et des poils odoriférants. À partir du nombril... On dirait une portugaise. Ça descend en triangle jusqu'à la colonne Vendôme. Puis il l'éteint en plus. Oh ben tiens. Ah, tiens, une question littéraire de Madame Biglaiser. D'où Marguerite Yourcenar a-t-elle tiré ce pseudonyme? C'est l'anagramme, non? C'est l'anagramme de quoi? De son nom. Oui, qui était? Bah, l'envers, je vois pas, mais c'est... Comment? Naryusaf. Marguerite. Non, elle a du talent. Ranouille. Elle s'appelait comment de son vrai nom? Ranouille. Pas prendre. Elle s'appelait Pivot. Rassenou. Non, je sais pas, mais... En tout cas, Vanessiour. Vanessiour, paradis. Vanessia, paradis. C'est pas un palindrome, c'est un anagramme. Alors mes enfants, il y a au moins 10 000 combinaisons. Elle portait un nom aristocratique. Marguerite de Bourgogne. De Ronceret. Ah, j'ai quand même trouvé, vous avez demandé d'où. Je vais aller serrer quelques mains, si vous le permettez. Bonjour. Non, vous restez là. Vas-y, Jacques. Vas-y, Jacques. Non. Oui. J'aime mon public, non. C'est lui qui me fait vous vivre. Vous restez là. Bonjour. Bonjour, madame. Je veux dire bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, ne soufflez pas. Je voudrais vous dire une chose. Si vous aviez décroisé les jambes avant la fin de l'émission, je vous aurais engagé. Mademoiselle me fait la tête depuis le début. Oui, non, mais décroisé. Mais ça fait rien, mettez-les très hautes. Voilà, mettez vos jambes ici. Regarde, Sim, avance un peu ton truc. Mademoiselle va mettre ses jambes ici. Regarde, non, écoutez, regarde ce qu'on verrait. Regarde là. Décroisez les jambes. Décroisez un peu, décroisez. Voilà. Tu vois là, si on met le micro. Alors, voulez-vous vous asseoir? Elle nous a mangé la capote. T'as vu, ça a été aspiré, mon rat. À peine j'ai mis le micro, vous avez aspiré. Oh là là. Pardonnez-leur, mais il y a longtemps qu'ils n'avaient pas vu de près une dame. Marguerite Yourcenar. Toi non plus, parce qu'il fait l'amour dans le noir au bois de Boulogne. S'appelait. Il se rend pas compte, ça fait 10 ans qu'il se tape des troncs d'arbres. Marguerite de. Bourgogne. De Crasnouille. De Valençay. De Crasnouille. De Caracas par Cra. Cra. Ah bah attends. De Cracra. Alors, je suis pas loin là. Craneyour. Crayoncourt. Crayoncourt. Marguerite de Crayoncourt. Bonne les réponse enfants, de l'amiral. Quand on souffle, il faut souffler fort. Je dis ça pour vous aussi, mademoiselle. Il avait bien repoussé le micro. Question de monsieur Desroches. Pourquoi, lorsqu'on boit du champagne... Philippe, excusez-moi, je renverse une petite cuillère, il est normal que j'aille la chercher. Après tout, je veux pas
faire perdre de l'argent à Madame RTL, hein? Hein? C'est fini, cette revue de genoux. Allez-y, vous avez envie d'y aller. Et lui, il n'aura même pas besoin de se baisser, c'est juste à sa hauteur. Alors, la question de M. Desroches. Pourquoi, lorsqu'on boit du champagne dans une coupe, devrait-on avoir une pensée pour Mme du Barry? Parce que c'est la forme de son sein. La première coupe à champagne a été moulée sur... voilà. Et la première coquille à escargot... Est... C'est une bonne réponse de Jacques Martin. Oh bah écoutez. Eh ben oui, mais la mienne aussi remonte. On est deux là, hein. Si mademoiselle mouillait la coupe avec ce que je vois, il y aurait un trou dans le fond du verre. Hey. Bah écoutez, c'est tout. On a déjà plus de plaisir dans la vie, laissez-nous en avoir de simple. Et de... Vous avez une très jolie bague. Hein. Hein? Question, dernière question. Dernière question. Ah bon? Après, vous aurez le droit de faire tout ce que vous voulez. Ah bon? Question de M. Rondon, qui a dit « L'homme qui cède quand il a tort est censé, celui qui cède quand il a raison est marié. » Guitry? Non. Il est mort d'abord? Il est mort. Capulet? Non. Mark Twain? Un romancier français, académicien, aujourd'hui disparu. Il y a longtemps? Il y a longtemps. Il a dû mourir il y a une vingtaine d'années. Mauriac? En laissant d'ailleurs à l'Académie française, à laquelle il appartenait, un joli capital qui permet aujourd'hui de décerner tous les ans le prix littéraire le mieux doté. Ah bon? Un riche. Un riche? Et il porte son nom, le prix en question? Et il porte son nom. Le prix de la minette? Le prix du... Du barbu? Du barbu. Il n'aurait pas aimé que vous perdiez du temps, parce qu'il n'en a pas Proust beaucoup... Il n'en a pas beaucoup perdu dans sa vie. C'est Proust, à la recherche du temps perdu. Il n'était pas de l'académie. Il n'aurait pas fait ça, Proust. Non, non, il aurait demandé, présentez-moi votre frère. Il y a une astuce avec son nom. Non, pas du tout, mais... L'homme pressé, c'est Morand. C'est Paul Morand. Paul Morand. Bonne réponse, Jacques Martin. Bravo, merci. À la prochaine.
dit. On m'avait dit tout est